À l'occasion de l'anniversaire de Kate Middleton samedi, Stéphane Bern a confié sur RTL que la femme du prince William n'était pas du tout en froid avec la reine Elisabeth II contrairement aux rumeurs. Si on en croit les révélations des tabloïds britanniques, les relations entre Kate Middleton et la grand-mère de son mari, la reine Elisabeth II, seraient exécrables. La souveraine ne supporterait pas les envies de liberté de la femme du prince William vis-à-vis du protocole royal. Il n'en est rien selon Stéphane Bern, un spécialiste du Gotha. Elle est la confidente préférée de la reine Elisabeth, assure l'animateur sur le site de sa radio, RTL. Il faut bien alimenter la chronique. On raconte beaucoup de choses mais peu de gens les approchent ou ont leur confidence, elle est très bien vue de la reine car elle reste à sa place, poursuit-il à propos des discordes entre Kate et la reine au sujet de garde-robe par exemple. Samedi, Kate Middleton fêtait ses 34 ans. 5 ans après son mariage avec le prince William, la duchesse de Cambridge est toujours aussi populaire aux yeux des Britanniques. Stéphane Bern a sa petite explication quant à cette idolâtrie pour la princesse des cœurs, elle est la première princesse d'Angleterre qui n'est pas issue de ce monde-là, elle est issue de la classe moyenne. Elle n'a jamais essayé de faire des coups d'éclat. Elle reste à sa place et c'est ce que les Anglais aiment. Tout le monde au pays du pudding aimerait savoir si Kate Middleton est déjà enceinte de son 3e enfant seulement 8 mois après la naissance de la princesse Charlotte comme l'a affirmé la presse américaine cette semaine. But there's all times through the rough times I